quand j'étais à Cahiers, je prenais le train, je montais sur le train pour aller chercher les CD instrumentales. Ouais. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le guerrier n'est pas forcément celui qui a les armes, mais aussi celui qui a la force mentale pour surmonter ses propres faiblesses, ses douleurs, ses peurs et les épreuves de la vie sans jamais abandonner pour toujours continuer et aller de l'avant. » Quelle joie, oui, je suis tellement fier de recevoir cet homme qui est un magnifique exemple de courage, de détermination et d'endurance. Parti de loin, de très loin même, il grandit dans une famille modeste à Kaï, à l'ouest de Bamako, au Mali. Son destin semblait sans issue. On dit souvent qu'il est quasiment impossible de sortir de sa condition, que c'est la loi, pauvre tu es, pauvre tu resteras. Mais lui aspirait à autre chose. Sa passion, la musique. D'abord danseur, aficionados des légendaires moonwalk de Michael Jackson. Mon pote, t'es au courant que dans l'émission, je vais te demander... Danse pour moi. Prépare-toi, frère. Il se décide rapidement à prendre le micro. Brillante idée, car son talent inné pour kicker se devait d'être exploité. Oui, depuis toujours, son flow impressionne. Il envoie du lourd tel un... Il débite et délivre, capable de s'adapter à toutes sortes d'instrus, du rap au coupé décalé, en passant par le dancehall ou le chant. Il excelle en n'hésitant pas à clamer fièrement. C'est moi le roi de la microphone. Ouais, son objectif, dès son plus jeune âge, pouvoir dire. C'est nous le boss, c'est nous le boss. Mais on sait tous que le talent ne suffit pas, alors il travaille dur, tombe 222 fois, mais se relève 223 fois, se rappelant sans cesse. Il continue le combat avec toujours plus d'engouement, de rage, de confiance en soi et d'optimisme, évitant ainsi les pièges tendus des ennemis, au point où quand l'un de ses adversaires lui dit « Tu ne peux pas vaincre la tempête », eh bien lui il répond « Je suis la tempête ». Voilà. Maintenant les gens n'ont même pas parlé. Exact, et en effet, quelle énergie, quelle productivité. En parfaite maîtrise de l'art de la guerre, ce gladiateur occupe le terrain constamment, ne laisse rien au hasard, contrôle sa communication de façon chirurgicale, en délivrant ainsi, depuis plus de 15 ans, des œuvres surprenantes, tant pour la diversité des sujets abordés, passant aisément du conscient au divertissement, que pour l'éclectisme de ses collaborations, ravissant ainsi Louis des... Mais celui des plus jeunes. Allez, quelques noms. Oumou Sangaré, Lafouine, Niska, Soul Banks, Ariel Chenet, MC One, Swagman, Sidiki Diabaté, Young Barry, entre autres. En vue de ces noms prestigieux, on comprend pourquoi il dit « Je suis bien entouré ». Convaincu que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin, il ne manque pas de remercier et d'échanger avec ses fans du monde entier. La team Gladia, qui, telle une armée, le soutient avec ferveur, lui permettant ainsi de remplir à plusieurs reprises le stade de 80 000 places de Bamako. Impressionnant. Il clame d'ailleurs souvent « Team Gladia qui est la meilleure team d'Afrique ». J'en profite quand même pour faire un coucou à la Chine d'Arafat, sacrée équipe aussi, que notre invité n'hésite pas à saluer. Faudra pas parler chinois quand je vais ramener mes nouchis. Bref, vous le... Arrête de regarder le prompteur. je t'ai dit. Ah, oui. Bref, vous l'aurez compris, il est à ce jour le... du Mali, mais pas seulement, car il a su dépasser largement les frontières de l'Empire mandingue en se produisant dans le monde entier, récoltant par la même occasion aux Afrimas de Lagos, de Primud à Abidjan, et j'en passe. J'imagine qu'à la réception de ses trophées, pour lui, ça a été... Ah ouais, le bonheur. Mais ce n'est pas tout, car il cumule de surcroît plus de 75 millions de vues YouTube, presque 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, on l'écoute de partout et de toutes les façons sur un... iPhone 12. Pour ce... Bah ouais, sur ses sons, dans les soirées, des mariages, dans la rue ou dans les villas des PDG. Et tout cela, la famille en rappant majoritairement en bambara. Comme quoi, quand la musique est bonne, elle devient universelle. Bref, cet artiste qui ne sera jamais silencieux n'est pas prêt de s'arrêter. Il le dit lui-même. Vous êtes tous prévenus, attention, ce n'est que le début. Et c'est une excellente nouvelle. Je le soupçonne d'ailleurs de vouloir être pour de vrai un jour temporaire, comme les touristes.
riche de tous les temps. Objectif 800 milliards de dollars. Yeah. Eh ouais, Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Un bon entendeur. Mais en attendant, il poursuit sa formidable épopée. Actuellement en préparation de son nouveau projet, il est de passage dans les studios de Légendes Urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous. Iba One, rappel international. Le gladiateur en chef, Iba One. Coup de ça. Voilà. Je t'ai vu à tes débuts et où t'es arrivé maintenant. On est vraiment, vraiment très, très, très fiers. Mon copain, c'est un bon graffeur. Et puis, il m'a toujours soutenu. On a toujours le choix. Et c'est ça qu'Iba One a mis toute une carrière à vous prouver. J'ai vu que tu as gagné pas mal de trophées l'an dernier. Mais qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait trop plaisir. Toujours d'honorer mon pays, le Mali. C'est une fierté, vraiment. Iba, tu peux pas prendre le talent de tout. Tu prends tout le talent et tu gardes ça pour toi. Si tu n'avais pas cette chance de faire de la musique, quel métier t'aurais aimé faire dans ta vie? Business. Tu voulais faire des quichetas en fait, de la moula en fait. Moula seulement. Si Ibrahima devait poser une question à Iba One, quelle serait-elle? Est-ce que tu vas continuer de faire la musique durant toute ta vie?